is CNN Breaking News. Bonjour, Isabelle Carimi ici, le rapport de CNN vivra avec les dernières nouvelles. L'extinction des animaux a été un sérieux problème à l'échelle globale, car il est prévu que près de 200 espèces dans le monde disparaissent quotidiennes. Depuis 1600 siècles, 700 des espèces les plus en vue ont disparu aux États-Unis. Et aujourd'hui, 530 espèces sont soit en voie de disparition ou menacées. Mais aujourd'hui, nous nous pencherons sur les espèces en voie de disparition à l'échelle locale. Il y a actuellement 33 animaux en voie de disparition dans le Kentucky, et parmi eux, le pygargue à tête blanche, la chauve-souris à grande oreille, le pig à face blanche et la crevette caverne du Kentucky. Ici, nous avons Caroline Foles, le rapport de Burnham Forêt, avec les details. Caroline, vous êtes en direct. Merci Isabelle, je suis ici dans la forêt de Burnham et comme vous pouvez le voir, il pleut. Mais il est encore une belle journée à regarder la vie sauvage. Le 16 novembre 2009, deux autres espèces ont été ajoutées à la liste d'espèces menacées du Kentucky, le cresson et la clairière de fleurs sauvages du Kentucky. Depuis ce jour, 233 800 espèces se sont entendues. Bonjour tout le monde, je suis de retour en studio avec Isabelle. Il a commencé à pleuvoir très fort. Revenons à l'information sur les espèces menacées. Commençons par la question, comment puis espèces disparues ou menacées? Eh bien Isabelle, les animaux se sont entiers ou menacés pour quatre raisons principales. La destruction de l'habitat, la pollution, la chasse et la pêche, et l'introduction d'espèces exotiques. On dirait que les gens sont à l'origine de la majorité de ces problèmes. Jetons un coup d'œil à quelques des beaux animaux qui ne sont plus là aujourd'hui. Espèces disparaissent dans l'odeur de la sensibilité. Les espèces les plus qui vont disparaître, plus la sensibilité pour toutes les autres espèces de la région. Extinction des espèces ruinait la chaîne alimentaire et de la diversité des animaux diminuant, qui jettent les écosystèmes dans leur ensemble. Pour en savoir plus sur ce que nous pouvons faire
pour protéger les espèces en voie de disparition et d'autres animaux précieux de l'extinction, nous avons appelé Sarah Biggs à la forêt de Bernheim pour nous donner plus d'informations. Sarah Biggs nous a donné une grande perspective sur la façon de protéger les espèces en voie de disparition. Elle a dit que la meilleure façon de conserver les habitats était dans les parcs nationaux, nettoyer les ordures, planter des arbres pour les sites de nidification, éviter de mettre les routes à travers les routes de migration et préserver nos forêts. Gardez une belle nichoire mangeoire pour oiseaux dans votre jardin. Plantez un arbre. Compostez vos aliments. Ne pas utiliser d'engrais, elles nuisent aux animaux et à l'environnement. Utilisez le transport public. Économisez de l'énergie. Restez organique. Mangez sainement. Merci d'avoir regardé. Jusqu'à la semaine prochaine. C'est Caroline et Isabelle, rapport de vivre. Au revoir. Salut.